Bonjour à toutes et tous. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un livre disponible en e-book sur le site des bibliothèques de la ville de Paris. Il s'agit de Magie Brute, les chroniques du grimoire de Larry Correa, publié en 2012 aux éditions La Talente. Premier tome d'une trilogie de grande envergure qui prend racine aux États-Unis dans les années 30, tandis que des zeppelins sillonnent le ciel, que Berlin est envahi de zombies et que la magie divise le monde. Le grand public oscille entre haine et admiration pour ses actifs, ces gens au pouvoir démesuré qui peuvent à loisir pousser la gravité, disparaître ou invoquer des démons. Deux organisations se livrent une guerre souterraine. D'un côté, l'Imperium avec à sa tête le président qui tient les armées du Japon, et de l'autre, la Société du Grimoire, formée par des résistants aux intentions louables mais aux méthodes quelque peu douteuses. Jack Sullivan, notre héros, est un pousseur de gravité, autrement appelé lourd. Il se retrouve bien malgré lui aux ordres du FBI à traquer d'autres actifs réputés dangereux. Il va se retrouver au milieu d'un conflit géopolitique de grande envergure dans un monde au bord de la dévastation. Ce premier tome vous plonge dans l'univers de Larry Correa, extrêmement maîtrisé à la frontière de l'Uchronie, des pulps et des super-héros. Vous ne pourrez pas vous arrêter avant la fin. Une fois happé par l'histoire, il est très difficile d'en sortir, tant ses personnages sont attachants, les combats épiques et l'écriture agréable. Suivi par le deuxième tome, Malédiction, et sa conclusion formidable, Foudre de guerre, je vous recommande la lecture de ces trois tomes qui vous permettront de vous évader un moment et de passer un très bon moment. Bonne journée à tous !